Les gars, et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on a pas mal de bonnes nouvelles, notamment l'arrivée des modes survie sur Red Dead Online à partir de la semaine prochaine. Sur la Rockstar Newswire, on nous dit que le mode appel aux armes arrive la semaine prochaine. Préparez-vous au pire et venez en aide aux braves gens de la ville en repoussant les vagues d'ennemis dans un nouveau mode de survie intitulé appel aux armes dès le 10 août. Je vous en avais fait part dans une vidéo leak il y a 2 mois de cela. On était un petit peu préparé à ça, mais ça fait plaisir qu'on ait enfin une confirmation de la part de Rockstar Games, comme quoi le contenu de cette mise à jour ne sera pas uniquement des missions de crime et d'opportunités. On aura aussi du contenu qui arrivera, notamment les modes survie, sûrement même très certainement des modes de Telegram qui sont encore présents dans les fichiers du jeu et qu'on n'a toujours pas eu. Quoi qu'il en soit, on passe tout de suite aux nouveautés de la semaine avec un nouveau contrat, le contrat des saloons. Du coup, je vous lis la Rockstar Newswire, les amis. Braquer les saloons de Saint-Denis. Les saloons de Saint-Denis débordent d'argent liquide, flairant le bon coup, la pègre réclame sa part et ses bons de capital. Le contrat des saloons est un nouveau contrat de crime en 3 missions dans lesquelles vous devez collecter des fonds au débit de boissons locaux. Bien que certains commerçants acceptent ce genre de pratique, d'autres n'écouteront pas vos arguments et vous contraindront à utiliser l'offre. Comme d'habitude, parlez à Shane Maguire, Anthony Foreman, Joe ou James Langton pour lancer ces missions. Bon, pour le moment, les amis, j'en ai testé une seule, la première partie. Elle était assez sympa. D'ailleurs, je crois que ça va être le gameplay que je vous présenterai sur cette vidéo, comme d'habitude, en essayant d'être discret. Non, franchement, cette mission, elle était assez marrante. Je verrai pour ce qui est du reste. Je vois que ça parle de braquage de saloon. Ça a l'air d'être intéressant. Après, on verra ce que ça donne. Comme d'habitude, je partirai à la recherche des bons de capital dans ces missions et je vous sortirai une vidéo. D'ailleurs, hier, je vous ai sorti une vidéo qui répertorie les emplacements des bons de capital dans le contrat des quais. Si ce n'est pas déjà fait, allez la checker, les amis. Et pour toutes les autres missions, je vous rappelle qu'on a une vidéo complète avec tous les emplacements de capital. En tout cas, on a une nouvelle opportunité que je n'ai malheureusement pas pu tester pour le moment, et c'est le vol de la 3e pierre précieuse Il Sovrano dans la ville poussiéreuse de Rhodes. Un précieux diamant jaune appelé Il Sovrano fait halte à Rhodes et les élites locales débattent pour savoir qui en aura la responsabilité. Il paraît qu'un représentant du sénateur Ricard est chargé de récupérer Il Sovrano et vous devrez récolter des informations sur l'emplacement de ce joyau, distrayer les gardes pour vous infiltrer discrètement ou faites une entrée explosive. Dans tous les cas, vous devrez localiser le bijou et vous en emparer. D'ailleurs, en parlant de discrétion, les amis, je vous proposerai cette semaine des vidéos astuces pour vous montrer comment effectuer les 3 missions en mode total discrétion. Ces 3 missions d'opportunité faites en mode discret, je peux vous le dire, les amis, ça en jette. En tout cas, voilà, je vous proposerai ça. Par contre, les amis, je vous proposerai ça en mode difficile. J'ai réussi en mode impitoyable, mais je vous conseille pas trop de la faire en mode impitoyable, en mode discret. Personnellement, je l'ai faite une seule fois en impitoyable, juste pour pouvoir débloquer la casquette exclusive à l'achat, mais voilà, je compte pas la refaire de sitôt. Les modes impitoyables, je l'ai toujours dit sur la chaîne, ce ne sont pas mes modes préférés. Qu'il en soit, les amis, on passe tout de suite aux récompenses de la semaine. Cette semaine, si vous terminez l'opportunité Il Sovrano, vous recevrez une récompense pour un composant d'armes gratuit au choix. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez débloquer l'achat du nouveau chapeau pour cette 3e opportunité, un chapeau avec des fleurs un petit peu. N'hésitez pas à aller voir Madame Nazar pour voir à quoi il ressemble une fois que vous aurez terminé cette mission en mode impitoyable. Cette semaine, tous les propriétaires du club des fins tireurs vont bénéficier d'une réduction de 50% sur les objets de rôle établis et distingués, ainsi que des récompenses pour recevoir une chemise et un manteau gratuit. Et je vous rappelle aussi, les amis, que si vous achetez tous les Quick Draw Club, vous recevrez un coupon pour profiter du pass d'Halloween numéro 2 totalement gratuitement. Donc c'est le moment, je vous rappelle que le club des fins tireurs numéro 1 se termine le 9 août. Donc c'est un petit peu la dernière semaine, les amis. N'hésitez pas à farmer pour vous le procurer au plus vite. Au cas où, les amis, je vous mets le lien de la vidéo guide sur les lingots dans la description. Recevez une offre de 40% sur un cheval polyvalent en participant à 3 parties de série à la carte. On passe maintenant aux réductions de la semaine, les amis. Commençant par les chevaux Turcoman qui sont à moins 30%. 30% sur les fusils à pompe, les amis. Bref, ensuite on passe aux variantes d'armes pour les rôles qui sont à moins 30%. Ensuite, on a moins 40% sur les armes de corps à corps, les arcs et les arcs améliorés. Et pour finir, moins 40% sur les chapeaux. C'est le moment, surtout si vous avez des chapeaux en lingots qui vous plaisent. Mais bon, ce n'est pas la priorité, les amis. Je vous rappelle que vous devez garder 25 lingots au minimum, histoire de sécuriser l'achat de vos passes. Et avant de se quitter, on va voir ensemble la liste des objets hebdomadaires à collectionner. Cette semaine, il s'agira de la collection fondatrice et il vous faudra une pointe de flèche en feldspath, des boucles d'oreilles
d'oreilles en diamant Endicott et des boucles d'oreilles corail Emlyn. La compléter vous rapportera 85$ et pour la vendre, rendez-vous chez Madame Nazar ou dans n'importe quel bureau de poste. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui les amis. N'hésitez pas à liker la vidéo si évidemment vous avez apprécié, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et activez la cloche des notifications pour être tenu au courant des vidéos dès leur sortie. Le Discord Vonchester est toujours dans la description, on est plus de 1900 membres. N'hésitez pas à nous rejoindre, partage de livraison, recherche de groupe toutes plateformes confondues, astuces, aide aux défis du jour, infos, news et bien plus encore. Encore une fois, le lien sera dans la description. Et sur ces bonnes paroles, donne rendez-vous très prochainement sur la chaîne pour du nouveau contenu. D'ici là, portez-vous bien. Peace.